Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tesla en Provence. Aujourd'hui, 3000 merci. 3000 merci pourquoi? Parce que nous avons 3000 abonnés sur cette magnifique chaîne, voilà, de passionnés, qui est passionné de voitures électriques, de voitures thermiques, mais surtout de technologie. Donc, franchement, une fois de plus, je répète pour la deuxième fois, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne est vie, grâce à tous vos commentaires, votre interaction, votre investissement. Voilà, vraiment, je suis très content, voilà, de vous avoir fait tout ce contenu. Je suis à près pratiquement de 150 vidéos et vraiment, c'est une belle expérience que je vis avec vous. Et ce n'est que le début parce que c'est vrai que ça fait même pas un an que ma chaîne existe et nous sommes déjà 3000 et je vois que tous les jours, ça augmente et je suis vraiment content de cela. Et je tenais à vous remercier aujourd'hui, voilà, je vous le dis pour la troisième fois. Et des fois dans la vie on ne remercie jamais assez ceux qu'on aime. Et ben moi je vous le dis, je vous adore. Donc merci à tout pour à tout et pour tous. Et voilà, tout simplement. Après, ce que je tiendrai à rajouter, c'est que il y a un groupe de discussion qui a déjà été ouvert. Donc si vous souhaitez qu'on puisse échanger d'un peu plus proche, vous pouvez rejoindre ce groupe de discussion. Je voudrais également ajouter que Tesla en Provence n'est pas ma seule chaîne YouTube. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Trotte en Provence. Donc si vous êtes passionné également ou curieux de trottinettes électriques, n'hésitez pas à rejoindre mon autre chaîne Trotte en Provence. Voilà, de toute façon, je vous mets le lien dans la description. L'aventure, comme je vous l'ai dit, fait que commencer. Franchement, il y a de belles choses à vivre, surtout avec cet univers Tesla. Il y a beaucoup, voilà, de nouveautés qui arrivent toutes les semaines, tout le temps. Et franchement, c'est avec grand plaisir à chaque fois que je vous partage toutes ces informations. Je vais me permettre d'échanger également des informations sur les voitures électriques de manière générale, parce qu'il est vrai que j'adore également les voitures électriques de manière générale. Alors, en effet, le nom de ma chaîne, c'est Tesla en Provence, mais voilà, je pense que avec la communauté qui grandit, je pense que c'est important de pouvoir parler d'autres voitures électriques également. Alors même si l'actualité Tesla, elle est énorme, elle est lourde, elle est intense, moi franchement, je vais me lancer dans, voilà, avec vous et je vais commencer à parler petit à petit d'autres voitures électriques parce que voilà, c'est une technologie qui est émergente. On est en train de faire une transition. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent en ce moment. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que la concurrence se réveille. Il commence à sortir, voilà, des véhicules intéressants. Donc, pourquoi pas faire des comparaisons, faire des essais, voilà, regarder les caractéristiques détaillées de chaque voiture, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les Tesla sont très bien logiciellement parlant, agrément de conduite, puissance, tout un tas de logiciels, etc. Mais les autres voitures, elles ont leur atout également. Par exemple, là, pour le moment, avec une Tesla Model 3, on a une voiture qui fait 4,80 m de long, et peut-être qu'il y a des gens qui veulent des voitures électriques qui sont plus petites, et donc, voilà, ils ont envie d'être informés. Donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous informer sur d'autres voitures électriques et ça me fait très plaisir. Donc une fois de plus, je tiendrai à rajouter, alors ça non, c'est pas une fois de plus parce que je l'ai pas encore dit, mais là je vais vous le dire, on va très prochainement, donc je vais très prochainement proposer des rassemblements, voilà, je sais pas encore où, quand, comment, mais je vais en parler. Alors sur le groupe de discussion, je vais le proposer, je ferai certainement une vidéo aussi pour ceux qui ne sont pas dans le groupe de discussion et je serai très content, voilà, qu'on se rassemble tous et que ce soit un événement convivial, qu'on échange au sujet des voitures électriques, de Tesla. Après, on pourrait éventuellement faire une petite balade, voilà, faire découvrir aux personnes qui n'ont peut-être pas encore de Tesla pour les voir de plus proche. Et voilà, ce serait du partage, de la passion. Et c'est toute l'idée de la chaîne. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Très important, merci à vous tous. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, peut-être qu'on sera encore bien plus. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir, voilà, de vous l'avoir fait aujourd'hui. N'hésitez pas à checker dans la description, il y a tout un tas de liens d'accessoires que j'ai concoctés pour vous, pour votre Tesla Model 3 ou votre Tesla Model Y. Donc vous pouvez aller checker dans la description, j'ai bossé pour vous, voilà. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo parce que ça la fera ressortir et également à vous abonner à la chaîne Tesla en Provence parce que c'est très important pour les algorithmes YouTube et pour soutenir mon travail, voilà.
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. À bientôt, bye bye.